Et nous avions une petite vie simple, petite vie de famille comme pratiquement toutes les familles belges, c'est-à-dire avant la guerre, très modeste. On se contentait de peu. Il n'y avait pas de luxe, nous n'étions pas entourés de luxe. Avoir un poste de TSF de radio était un luxe suprême. Nous l'avions en 1937. Et la vie suivait son petit train-train, mais considérant que la Pologne pour eux c'était l'enfer et peut-être la fin de tout, ils étaient heureux. Mes parents ne parlaient que le yiddish et le polonais. Et quand mon père est arrivé en Belgique, il ne parlait qu'en polonais de temps en temps avec ma mère lorsqu'il voulait que je n'entende pas quelque chose, je ne comprenne pas quelque chose. Mais il avait tellement maudit ce pays et cette langue qu'il évitait et nous parlions yiddish. J'ai été formé en yiddish jusqu'à l'âge de 6 ans, âge auquel j'ai été à l'école primaire. Et mes copains étaient tous des juifs, mais j'étais emballé par le français. Je trouvais que cet accent, cette phrase, cette phraséologie, cette grammaire, c'était tellement beau. Et quand j'étais à l'école, j'allais dans une classe d'enfants qui étaient élevés à la manière non juive, donc en français. Et j'ai toujours été premier en dictée, en rédaction, en poésie, en littérature, en grammaire, en syntaxe et en dissertation. Je connaissais Émile Zola, je l'avais lu dans le texte, Victor Hugo, Dostoïevski, tout ça je connaissais déjà. Et c'était tellement subtil que je me rappelle que j'allais à la bibliothèque du Parvis de Saint-Gilles et nous n'avions pas à 12 ans le droit d'emprunter ces livres. Et alors ma mère, qui ne savait pas du tout lire le français, me prêtait sa carte et c'est moi qui allais puiser dedans. Et j'ai appris la base, sans le savoir inconsciemment, de ce qui fait le fondement de ma culture. Alors qu'à 14 ans, mes études se sont arrêtées définitivement et à jamais. Je me rappelle que le 1er août 42, nous habitons à Saint-Gilles, au coin de la rue numéro de rue Conrad. Nous avons fait une malheureuse pauvre petite valise pour ma sœur. Nous avons fourré un chocolat que nous avons trouvé par, je ne sais pas, par quel méandre. Et avec ça, on pensait qu'elle serait sécurisée. Nous avons bien, ma mère a réparé les vêtements, bien repassé. Je me rappelle que c'était tout propre. Moi-même, j'avais contribué à la fabrication de la valise, petite valise. Et puis ma sœur est partie et nous sommes rentrés malheureux comme les pierres, avec un doigt de notre main qui disparaissait, qui nous manquait. Et le même mois, puisque nous avons été pris le 3 septembre 1942, le même mois, il y a eu, comme je vous dis, un bruit qui a couru, il y aurait des rafles. Puis le train s'arrête et je vois des lampes. C'était des lampes, un genre de lampe comme ça, des projecteurs. Et puis j'entends hurler. Les portes s'ouvrent. Mais entre-temps, dans les derniers kilomètres, ma mère qui avait le pressentiment que quelque chose allait se passer cette nuit, elle m'a dit: Henri, je t'en prie, cache-toi vite. Comme tu as 16 ans, je ne veux pas que tu sois pris comme homme. Je ne veux pas que tu travailles. Tu vas mourir de ça. Cache-toi en dessous de la banquette, tu iras avec nous, puisque en France, tu étais avec les hommes. Je veux que tu restes cette fois-ci avec moi. Et ma mère me pousse en dessous. Mais j'étais grand, j'avais 1,75 m. Elle me glisse en dessous. Mais le hasard veut que ma tête soit à l'entrée. Donc je précise, j'avais 16 ans. Ma tête soit à l'entrée, là où la porte s'ouvre. C'était une petite porte centrale et des fenêtres sans porte où étaient alignées les banquettes. Et la petite porte centrale s'ouvre. Et je vois mon Bosch, vraiment le Bosch complet, mitraillette, et il tenait des chiens. Et on frappait. Là, j'étais surpris. Je me suis dit, mais on n'est quand même que des civils. On vient pour travailler, puis c'est tout. Et alors, on prend les hommes, et en allemand, heureusement, comme j'étais un très bon élève, et que j'avais appris le yiddish à la maison, de là, j'ai dérivé vers. Ça m'a donné des débouchés extraordinaires sur les langues. L'anglais que je pratique couramment, le yiddish, le français un peu d'hébreu, et l'allemand à cette époque-là, et le flamand. Je parle encore couramment le flamand. Et ça m'a beaucoup servi. Et j'entends l'officier qui dit: Alioun von 16 ab bis 60 Jahre runter aus dem Wagen.
Die Frauen Kinder bleiben in der Wagen. Je dis, bon, ma femme, ma mère qui comprenait le yiddish, je me dis, bon, ça veut dire... Et j'avais compris, je dis, bon, maman, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, reste cachée. Un Allemand, un officier allemand, vient avec une torche, une énorme torche, et regarde dans les wagons. Mais mon boche, vu que j'étais à cette hauteur-là, couché avec la tête dehors, je reçois la torche en pleine figure. Il me donne un coup de torche sur la tête. Et il dit en allemand, je vais le dire en français, espèce de chien de cochon, qu'est-ce que tu fais en dessous? Tu es un homme, tu ne veux pas travailler, tiens. Et il me roue de coups, parce que je voulais, soi-disant, ne pas travailler, je voulais me soustraire au travail. Et il me tire, me fait glisser le long de la banquette, et ma mère commence à hurler, et ma tante, et ma sœur commence à hurler, et mon père était déjà en bas. Et puis je me retourne, ma mère me jette une valise. C'est un petit détail, mais vous allez voir, pour moi c'était important, et il y a une ironie énorme là-dedans, une ironie tragique. Et elle hurle, Henri, reviens, reviens. Et puis j'ai vu ma mère, et je ne me rendais pas compte, je ne la verrai plus jamais. Et je vois la dernière image de ma mère, l'Allemand qui repousse la fenêtre, et puis je vois ma mère en pleurs, ma tante qui hurle de désespoir, et ma petite sœur qui m'adorait, parce que comme elle était la plus petite, je la conduisais à l'école sur mes épaules, c'est moi qui étais le formateur de mes deux sœurs, c'est moi qui étais le bout en train, c'était moi qui étais l'initiateur de tous les jeux, j'étais le compagnon. Elle commence à hurler. Dans tous les wagons, elle hurlait. Et on nous fait monter dans des camions. Et la dernière image que j'ai de ma mère, c'est le train qui attendait que les camions partent. Et puis le train est parti. J'ai entendu le tchouk-tchouk de la vieille locomotive. Donc le 12, nous sommes arrivés dans un camp qui s'appelait Sachrau. C'était un petit camp de travail, un des milliers de commandos que les Allemands avaient construit pour la grandeur de l'Allemagne. Et on nous jette dans une baraque, on était quelques centaines, mais à même le sol. Il n'avait même pas un fétu de paille pour nous réchauffer l'âme, ne fût-ce que la vue d'un fétu de paille. Et puis on se met par terre. Et en septembre, en Pologne, les enfants, il fait froid, crevé. Les nuits sont glaciales, célestes. Et je tremblais, j'étais comme ça. Alors mon père me dit, ouvre la valise, ouvre ta valise que maman a eu là. Le courage, l'intelligence de te jeter et couvre-toi. J'ouvre la valise, c'était les vêtements de ma mère, que dans sa précipitation et son angoisse énorme m'avait jeté pour me sauver, essayer de me sauver la vie en me protégeant du froid et de la faim. Il y avait des malheureuses combinaisons, des petites robes, des sous-vêtements de dame. Et je fais la réflexion à mon père, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Le lendemain, je n'avais plus à me poser la question, on nous a tout pris et hop, le pyjama de déporté. Ce que j'ai vu au début, c'est que mon père, qui était très musclé, très fort, s'appliquait au travail parce qu'il connaissait l'allemand, il avait déjà ramassé les coups. Je dois dire qu'il n'a pas trop souvent été battu. Et ça a duré un petit temps que je ne peux pas déterminer. Et puis un jour a commencé le système qui a prévalu en ce qui me concerne, c'est-à-dire chaque fois finir un camp, aller autre part, avec toujours cette phrase qui est en filigrane, je sais d'où je viens, je ne sais pas où je vais. Ça, j'ai pu le supporter. Est-ce que je supporterai la suite? Et pendant 9 fois, moi, j'ai changé de camp. 9 fois. On me sélectionne. On me met dans un train. Et puis, j'arrive dans une gare de Pologne. Dieu sait laquelle. C'est authentique. Nous étions à 5. Je vois un Allemand, c'était pas des SS, hein, c'était la Wehrmacht, l'armée militaire de campagne. Il avait un fusil et un revolver, et il nous fait monter dans une charrette tirée par un cheval. J'ai pensé aux peintures de Chagall. Je vis déjà dans une planète en dehors de la mienne, je vis dans le ciel, tout près du paradis, et puis je me vois à la campagne, je vois des arbres, des fleurs, des gens qui savent faire leur travail. Et mon petit cocher devant avec son cheval, un Polonais qui... Et puis je vois au loin une petite montagne, avec quelque chose qui ressemblait à un camp. Et j'ai appris par après que ce camp s'appelait Sintanaberg. Et c'était un camp pour malades. Ein Erholungslager. Un camp de convalescence. Donc, c'est que j'avais l'aspect déjà moribond. Et en cours de route, je vois des cerisiers tout le long de la route. Je prends une cerise, l'Allemand me donne un coup de crosse dans le dos.
Il dit, les cerises, c'est pas pour les chiens. Bon, j'avais faim, j'avais jamais vu une cerise depuis la guerre. Déjà en Belgique. Et puis on arrive dans ce camp-là, et pendant 3 semaines, j'ai vécu l'enfer. Pourquoi? Nous étions battus en étant malades. Mais comme j'avais un œdème, ils savaient que je ne pourrais pas travailler. C'était au début, hein, parce qu'après, je ne crois pas qu'ils aient eu des camps comme ça. Et c'est connu, ce camp-là était un camp, Sint-Annaberg, qui existe toujours, qui est une petite ville, qui était prévue pour essayer de soulager quelques misères, pour récupérer de la main-d'œuvre. Blair-Hamer a pour moi une très grande signification parce que c'est un camp très spécial. C'est un camp dont le voisinage et le chantier qui se trouvait pas loin ont été bombardés. Et c'est ça qui m'a surtout frappé. Et c'est là que j'ai vu le premier pendu, les premiers pendus. Bon, j'arrive là-bas et je vois du monde qui nous attend. Ils revenaient du travail, c'était le soir, on est arrivé. Et puis mon père me saute au cou. Et puis quand je vois que le hasard nous a réunis comme ça, après tout un temps, Sint-Annaberg et Chopinitz, mais on est devenu fou. Mais mon père ne savait pas que je rentrerais, moi je ne savais pas que je le retrouverais. Il n'y avait pas des listes. Avec, voilà, un tel est arrivé, pas du tout. On est tombés dans les bras l'un de l'autre. Le temps d'émotion passé, la vie a repris. Et mon père a fait des mains et des pieds. Pendant le long moment, je crois que je suis resté là, 9, 10, 11, moi je ne me rappelle plus. Pour que je sois toujours à ses côtés, il dit. Il n'y a que l'amour qui nous séparera. Hélas, il a eu raison. Le jour, le 1er avril, drôle de date pour nous faire un poisson de cette envergure là, quand le 1er avril 1944, la Wehrmacht qui nous gardait et qui était acceptable à la limite de l'entendement, sont partis se battre au front de l'Est, et c'est la SS qui a repris les camps. Mais le fait que la SS a repris les camps, pour moi, ce n'était pas encore tellement marquant. Ce qui m'a marqué, c'est la marque sur mon bras. Parce que le 1er avril, on nous a alignés et on nous a mis le numéro sur le bras. À ce moment-là, je me suis dit, mais avec les animaux qu'on marque. Alors 2 jours, nous marchions de 7 h du matin jusqu'à 10 h du soir, jusqu'à l'écœurement. Même les SS nous en voulaient à mort, parce qu'à cause de nous, disaient-ils, ils étaient obligés aussi de marcher, bien vêtus, bien chaussés, bien nourris. Mais ils étaient dehors pendant 14, 15, 16 h à marcher dans un froid de canard. Une journée, nous avons battu un record, si on peut dire. Nous avons frôlé les moins 30 degrés. Et c'était la nuit qui a tué la majorité d'entre nous. Nous étions à bout de réserve, à bout de résistance. Il n'y avait plus de morale. Il y avait, même moi, je perdais mon moral. J'avais mon père qui était à côté de moi, qui souffrait de mille morts. Il avait mal aux pieds. Il souffrait des pieds, des engelures. Il souffrit mille morts, il souffrait. Et finalement, les SS nous ont fait monter dans des wagons, à bestiaux, mais découverts. Il neigeait à flots. Et on nous a mis dans des wagons et recouverts de couvertures pour que la neige ne nous atteigne pas, nous. Ce qui fait que les couvertures, au lieu d'être en dessous ou autour de nous, étaient au-dessus. Celui qui était au-dessus, il y avait une petite protection. Celui qui était en dessous, parce que nous étions debout, assis, mais pas moyen de s'allonger. Celui qui était en dessous avait de la chaleur, mais il n'avait pas d'air. Il y avait la pression du poids de celui qui était sur lui. Finalement, la moitié était morte étouffée, et l'autre moitié est morte gelée. Et puis, le plus terrible moment de ma vie est arrivé. Nous avons, je veux être exact, roulé pendant 2 jours. Et puis, je vois que le train ralentit et nous arrivons à Weimar. Et la locomotive s'arrête après 1 km. Weimar était visé par l'aviation américaine. Et des centaines d'avions ont bombardé la gare de Weimar. Mon wagon a été secoué. Et après la demi-heure, quand l'accalmie s'est faite, les sirènes de fin d'alerte ont résonné, je me suis retrouvé avec 50 cm de terre sur moi. Il y a eu environ 600 tués. Quand je dis tués, c'est déchiqueté. On a retrouvé des bras, des kilomètres.
Mon père pleurait. Il avait mal aux pieds. J'écoute, papa, la seule chose à faire, c'est voir si on peut te soigner. Et là-bas, le soin, c'était, il ne s'encombrait pas de malades. Les hôpitaux, il n'en avait pas. Les infirmeries, elles étaient ce que le monde entier sait maintenant. Et mon père est parti, et j'ai su après la guerre qu'il est mort 8 jours avant la libération. J'ai été libéré le 11 avril, et le tout début avril, 8 jours, à peu près 8 jours avant la libération, il est mort. On lui a amputé un pied, et il est mort de gangrène. Et la personne qu'il a tenue dans ses bras, qui est témoin de sa mort, était un ami d'enfance de mon père, de Pologne et de Bruxelles. Et puis, le 11 avril, un silence de mort dans le camp. Je ne pensais plus, je vous dis, je n'avais plus de notion. Et la seule chose qui m'a ramené à la dure réalité, c'était les coups de feu. Puisqu'il y avait entre nous des mourants, un silence de mort, j'entends un bruit humain, ne fût-ce que celui d'un fusil. Un être humain a un geste et tire. Je me dis, ça y est, les Allemands vont les quitter. Non, non, c'était les prisonniers communistes et qui s'étaient révoltés. Ils avaient pris d'assaut le camp. Et à 4 heures de l'après-midi, on ouvre toutes les baraques et je vois un char qui entre dans le camp sur la place d'appel. Et des camions nous ont conduits sur un champ d'aviation près de Weimar. Et nous sommes restés 2 semaines sur la surface de l'aéroport. Là, les Américains nous ont nourris plus substantiellement. Et la photo que vous voyez en brun, vous voyez tous ces déportés attendant le rapatriement, j'étais là-dedans. Nous étions parmi les premiers convois qui rentrions d'Allemagne. Le 5 mai 45, j'ai oublié de préciser. Et puis on est rentré et la Croix-Rouge nous a pris en charge. Tous, qu'on ait de la famille ou pas. Ils ne voulaient pas qu'on entre directement dans les foyers parce que la maman nous aurait gavé et on en serait mort. Nous sommes arrivés dans un centre de la Croix-Rouge, centre de rassemblement d'UCLE, empreinte digitale, et on nous a donné 100 francs. Nous sommes restés 2 jours là, on a surveillé notre santé, et puis on nous a conduits, ceux qui le désiraient, ceux qui étaient juifs, pardon, Place Roupe, j'ai la photo ici, d'un bâtiment qui existe toujours. On nous a donné, je n'oublierai jamais, du thé et des gaufres. Donc ça, c'était quelques jours après la libération, donc 11 avril, 5 mai. J'ai passé une visite médicale, on a découvert que j'avais au poumon la tuberculose dans le poumon gauche. On m'a conduit au sanatorium d'Alzenberg. Au sanatorium, j'ai beaucoup dessiné. Puis après ça, on m'a conduit dans un orphelinat, où je suis resté 1 an. J'ai essayé de me réhabituer aux gestes humains de tous les jours. J'ai travaillé chez quelqu'un pour un patron. Et puis un jour, en allant dans un dancing, j'ai rencontré une femme charmante, une jeune fille adorable, que j'ai épousé par après, mais ça je ne savais pas ce moment-là. Le mariage s'est déroulé comment? Dans un petit appartement qui existe toujours, chaussée d'Alzenberg. Nous étions à peu près 30 ou 40 personnes, je ne me rappelle plus. Et puis je me suis fait la réflexion, c'est bizarre. Voilà un jeune homme qui se marie avec une gentille, jolie jeune femme, et tout est beau, mais le mariage se fait en présence de 39 personnes d'une famille et une personne moi-même, sans amis, sans témoin. Il faut toujours un témoin quelque part, je ne sais pas. Et finalement, nous avons décidé qu'on reprendrait le dessus. Nous avons travaillé très 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 dur. Puis est né un deuxième enfant, puis un troisième, puis un quatrième. Et au bout de très nombreuses années, nous sommes parvenus à nous revoir, à remonter un peu le courant, et au lieu de survivre, à vivre.